arrivée en provenance de Alger, vol Air Algérie 1002, sortie porte numéro 34. Ils viennent d'Alger et c'est leur premier séjour à Paris. Ils sont 8, moyenne d'âge 25 ans. Ils se prénomment Nabil, Sofiane ou Samir. Certains ont préféré prendre un pseudo, Darkman ou Davier. Profession, musicien. Alger, la belle voix dans mon a épousé le danger. Alger, né au sein de ces rues, je me sens étrangement étranger. Ils ont choisi le rap plutôt que le rail. C'était il y a 8 ans. Les deux groupes, Hama et Inti, sont les précurseurs du hip-hop algérien, un choix qui ne doit rien au hasard. Dénoncer la situation en Algérie, dire des choses qui sont carrément interdites là-bas, casser des tabous, c'est ça notre premier objectif, c'est dire la vérité et la dire clairement. C'est plus être sincère envers soi, tu vois, t'as envie de dire n'importe quoi, tu vois, t'as envie de dire quelque chose, tu le vois, tu le dis, t'es pas obligé d'être sous la pression. Répétition avant concert en banlieue parisienne. Mais à Alger, lorsque l'on n'a pas la langue dans sa poche, que l'on rappe sur des textes engagés, monter sur scène relève du défi permanent. Pourquoi on se bagarre? Parce qu'on nous censurait. On nous censurait d'une façon humiliante, tu vois. T'es devant un public, tu chantes et puis il n'y a plus de son, tu vois. Comment tu pourrais sortir de la scène? T'as même pas l'occasion de dire, voilà, c'est pas de notre faute, il n'y a pas de son, il n'y a pas de micro, tu dois hurler, là, il y a une salle pleine, comment ils peuvent t'entendre tous, tu vois? Ils nous censurent d'une façon humiliante, quoi. Cette chanson est dédiée pour tous ceux qui sont morts pour l'Algérie, 5 octobre 88, ouais. Les orphelins qui pleuraient, qui déchiraient la nuit avec leurs cris. Les hommes furent enfermés et tués, les femmes si fières furent déshonorées. Et les esclaves ont perdu la dignité qu'ils retrouvaient. On les fouettait, les chiens on les a enchaînés. Aux yeux de tout cela, on coulait des larmes. Tout ça à cause de ces traîtres, ces Judas qui ont vendu leur âme. Ils avaient du pouvoir satanique et sur ce peuple ils ont jeté un sort maléfique. Un séjour à Paris, l'occasion pour Intik d'enregistrer une maquette en studio. Objectif, séduire une maison de disques. Un album enregistré en France est aussi un moyen de contourner la censure en Algérie. Des passages à la radio, ça passe pas. Quoi, c'est de la chanson engagée et tout. Nous, on dit la vérité. Eux, ils disent qu'on fait de la politique. C'est pas du tout pareil, c'est... Nous, on ne fait pas de la politique. On rapporte les faits. On dit ce qui se passe, autant qu'Algérien. La douleur, tout ça. Intik puise dans le patrimoine musical algérien, Chaabi ou Berbère, incorpore des instruments traditionnels, oud ou darbouka, pour garder une musique personnelle et originale. On est algérien, on fait du rap algérien. Copie pas. Pourquoi copier? C'est limiter, non? Créer, c'est encore mieux, non? C'est ça, on veut faire du rap algérien. Là, ça commence. Mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, ça va péter. Entre deux feux, tirant les prix. Entre deux feux, tirant les prix.
Entre deux feux, tyran est pris. Entre deux feux, tyran. Entre deux feux. Il a fallu beaucoup de courage et d'obstination à Itik et Ama pour imposer le rap à Alger. Le mouvement s'amorce doucement après 8 années de galères et de brimades. Aujourd'hui, les deux groupes souhaitent surtout percer à l'étranger, tout en demeurant provocateurs, révoltés, engagés, c'est-à-dire en restant avant tout eux-mêmes. Les promesses, on demande SOS. Nous sommes comme 1 million de jeunes à qui on avait l'espoir pour avoir le pouvoir. On fera tout pour que ce soit pas, on a marre de se taire. On vous lit, c'est clair, on vous déclare la guerre. Allez mes soeurs, allez mes frères, allez virer vos chaînes de fer, car vous êtes nus libres comme l'air. La liberté vaut la VTT au sein de vos mères. Votre ancien gens qui se pavent dans les stalons, dans l'Occident, qui nous ont bourde, désillusions. Et à ces gens sans entendre, ils savent le trouble et la honte. Dans cette terre, transfert très cher, beaucoup de mères ont souffert. Comme ta mère et ma mère, Sofiane, ya, Karnam les promesses, on demande SOS. Karnam les promesses, on demande SOS.